Bonjour à toutes! Oh, mais il y a déjà du monde ce matin, c'est trop bien! J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Est-ce que vous avez ouvert votre première case du calendrier de l'Avent? Eh ben moi, mon petit doigt me dit que vous allez briller. Et puis moi, je suis contente parce que j'ai reçu trois jolis calendriers de l'Avent. Et donc ce matin, j'ai ouvert mes trois boîtes. Et donc, je suis ravie. D'ailleurs, je remercie encore Janine, Aline et Aurore, qui sont mes petits. Mes... Comment je pourrais dire? Mes petits soleils du matin. Voilà. Alors, vous êtes en forme? Ben, vous faites bien d'être aussi nombreuses ce matin. Et ben. Ah, je perds mes mots. J'espère que vous êtes en forme. Pardon, ce matin, parce que, et vous avez raison d'être nombreuses, voilà, c'était là où je voulais en venir, c'est qu'aujourd'hui, on va faire un projet qui est assez simple. Et j'espère que vous allez avoir un bon massicot qui coupe et qui plie, et on va fermer une belle étoile qui vous servira soit de suspension pour décorer votre maison, soit pour décorer vos tables. En tout cas, c'est très facile comme projet, et donc c'est un projet que vous allez pouvoir faire. Comment dire, que vous allez pouvoir faire vous, mais aussi si vous êtes débutante, si vous êtes confirmée, si vous avez des enfants, des petits-enfants, des neveux, des nièces, c'est vraiment un projet, on va dire, à portée de tous. Et ça, c'était important pour moi parce que les décorations de Noël, c'est bien, hein, nous, en tant que scrapeuses, on fait plein de choses, tout ça, mais faire participer nos enfants, nos petits-enfants, ou pourquoi pas les copines qui n'ont pas encore tenté. Voilà. Donc oui, je vais super bien. Alors moi, j'ai eu quoi dans mon calendrier? Alors j'ai eu un chocobon, des Kinder, des choses à grignoter. Trop trop bonne. Pour la gourmande que je suis, c'est parfait. Alors oui, je vais très bien. Et vous avez vu, je ne sais pas si vous avez encore passé votre commande. Je sais que certaines d'entre vous l'ont déjà passée. Mais les fins de série sont sorties. Et donc n'hésitez pas à commander dès maintenant puisque c'est jusqu'à épuisement des stocks. Et n'oubliez pas de mettre le code hôtesse. En tout cas, il y a aussi, j'allais oublier, aussi des nouveautés dans le coin des bonnes affaires. Donc n'hésitez pas à vous y rendre et à chercher. Vous allez voir, vous allez retrouver plein de trésors. Bonjour à toutes, bonjour Anne, Geneviève, Ève. Oh, Rosemary, t'es debout, Rosemary? Je me moque, je me moque, je me moque. En tout cas, cette étoile, j'avais envie aujourd'hui de la faire. Avec vous, alors c'est quelque chose que vous allez voir que c'est assez facile, assez répétitif, mais je vais en voir partout sur les réseaux sociaux et surtout j'aimerais que vous puissiez peut-être initier une ou deux personnes à faire cette étoile parce que c'est vraiment hyper facile et pour imaginez que comment dire que certaines de vos amies qui n'ont pas encore la fibre créative se lancent. Ouais, partagez un max les filles, c'est trop bien. Alors Sylvie, j'ai peut-être pas. Alors,
En fait, Sylvie, pour la petite histoire, donc moi j'ai fait un calendrier de l'Avent que j'ai envoyé à 50 personnes, donc c'est des petites choses de scrap. Sauf que je ne dirai pas ce qui est dessus parce que vous le saurez tous les jours à 21h, ça permet à tout le monde d'avoir la surprise de ce qu'il y a dedans. Par contre, moi j'ai eu la chance d'avoir des super clientes et copines et filleules qui m'ont envoyé des calendriers de l'Avent et dedans il y avait des gourmandises parce que j'avais dit que j'étais gourmande. Donc voilà. Donc ça c'est bon, je vous ai dit les fins de série, je vous ai dit le coin des bonnes affaires. Moi, en tant que démonstratrice, j'ai pu ce matin commander tous les catalogues pour vous les envoyer. Donc attention, ils vont pas être envoyés dès demain. Déjà moi, je les ai commandés ce matin, donc en gros, il faut 5 à 7 jours pour que je les reçoive. Après, en même temps, je prépare vos petits cadeaux pour y mettre dedans. Ah, bonjour Emmanuel, avec plaisir. Et du coup, ah bah j'ai perdu. Oh bah ce matin, quand je lis vos commentaires, du coup, je perds mes mots. Ah bah zut, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Vous mettez des messages tellement gentils qu'en fait que ça me perturbe. Ça m'émeut, comme on dit. Bonjour à toutes. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bah je sais plus. Eh bah je sais plus. C'est pas grave. Oui, donc ça y est, j'ai repris le fil de mon histoire. De l'envoi des catalogues. Donc moi j'ai commandé mes catalogues aujourd'hui, je vais les recevoir d'ici une semaine. En attendant, je prépare les petites surprises, merci Nicole, à mettre dedans. Et après je vous les expédie et ma date butoir pour vous les expédier, ça serait vers mi-décembre. Voilà. Idéalement au plus tard le samedi 18. Le week-end du 18-19 décembre, comme ça vous l'aurez à mettre sous le sapin si vous voulez patienter. Oui Isabelle, il y a déjà des lots indisponibles, alors il va falloir qu'on s'arme un petit peu de patience et d'indulgence, puisque Stampin' Up! N'échappe pas au problème, on va dire, mondial par rapport aux commandes et au tout ce qui est affrètement de la marchandise. Mais je compte sur vous et de toute façon, on va dire, on n'a pas trop le choix, mais il va falloir être patiente. Des fois, eh ben, il y aura peut-être pas des articles que vous pourrez commander tout de suite, qu'il faudra commander un petit peu plus tard. Mais c'est comme ça, c'est... Voilà, on n'y est pour rien, c'est les aléas du après la crise sanitaire. Vous savez toutes, si vous regardez les informations, que toutes les sociétés sont dans la même situation, même notre plus grand ami, chez le Suédois. Et voilà, Stampin' Up! N'y échappe pas, donc il va falloir juste un peu de patience et tout va bien se passer. Voilà, pourquoi le pourquoi du comment. D'ailleurs, vous savez, je vous avais conseillé de commander directement via ma boutique en ligne, et ben vous avez bien fait parce que vous avez moins galéré que moi. Parce que j'ai vu que certaines d'entre vous avaient commandé dès minuit et quart, et moi j'ai pas pu me connecter avant 2h du matin. Donc voilà. C'est peut-être pour ça que je cherche mes mots d'ailleurs. Alors, Viviane, pas de souci, j'ai pas encore recommencé le projet. J'ai accueilli tout le monde qui arrive. Je remercie aux copines qui m'avaient envoyé les calendriers de l'Avent. Mais je ne dirai rien sur ce qu'il y a dans celui que j'ai envoyé. Marie-Claude, alors, pour celles qui n'ont pas de démonstratrice et qui souhaitent avoir le catalogue, n'hésitez pas à m'envoyer votre adresse postale en message privé, d'accord? Et je vous l'enverrai, donc je collecte vos adresses et puis je vous l'envoie mi-décembre. Bonjour Christelle. Et puis, à moins que vous soyez hyper pressé, et il y a une solution pour voir les nouveautés avant tout le monde, c'est de devenir démonstratrice. Eh oui, alors, la promo d'hier, elle est finie, mais il n'y a pas de moi le mieux que d'autres pour commander. Donc, pour devenir démonstratrice et commander. Donc, faites-vous plaisir. Quand vous avez envie, c'est une belle opportunité. Toujours, toujours, toujours. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, je crois que j'ai fait le tour de mes petites infos que je voulais vous faire. J'ai préparé les cartes de remerciement pour toutes mes clientes du mois de novembre. J'attends juste les petits cadeaux pour faire l'envoi. Et je crois que c'est tout. Et donc, je vais pouvoir vous montrer le projet. Alors, attention, tatin, direction, mes petites mains.
Donc voici le prototype de mon projet. Alors je vous ai déjà mis les dimensions parce que ma secrétaire horreur n'est pas là ce matin, mais voici les toiles. Alors soit vous pouvez la poser à plat sur votre table pour faire une décoration de table, soit vous pouvez mettre un petit ruban pour faire une suspension. Alors en vidéo ça se voit moins bien, vous voyez, pour faire une suspension. Alors pour ce prototype, j'avais choisi trois couleurs, donc le blanc, le rouge et du papier design. Et pour celui qu'on va faire aujourd'hui, on va le faire avec le lot de papier avec éloquence qui est juste trop beau. Et je trouve que du coup, pour ce projet, comme on voit le recto et le verso, les papiers design recto verso vont très bien aller pour ce genre de projet. D'accord? Et en plus, comme c'est du papier du catalogue annuel, vous pouvez l'avoir sans souci, il n'y a pas de problème d'approvisionnement. Alors on est parti. Alors, vous voyez, au début, je m'étais mis des couleurs, mais en fait, les couleurs, c'est à vous de voir ce que vous allez mettre. Et donc, on va parler de papier A, B ou C. Donc, le A, pour celui-ci, c'est le papier blanc. Le B, c'est le papier rouge. Et le C, c'est le papier design de la collection Pain d'épices. D'accord? Où je me suis amusée à découper quelques petites choses pour rajouter, pour vous donner l'idée, pour faire d'autres. Voilà. Ah bah ça me fait plaisir Christelle que ça vous plaise. Oh mais ça plaît à beaucoup de monde. Alors j'espère en voir plein parce que vous allez voir, c'est hyper facile à faire. Et je vais vous donner même une astuce pour aller plus vite, comme ça vous pourrez en faire plus. Alors moi j'ai choisi de faire trois, mais on pourrait imaginer en faire encore au milieu, hein. Et donc là il faudrait juste modifier la longueur des papiers. D'accord? Allez, on est parti. Let's go! Alors, pour ce projet aujourd'hui, je vais utiliser mon papier éloquence simple. Alors, on va réfléchir ensemble ce qu'on a besoin comme papier. Et je veux vraiment. Alors, celui-ci, il est vraiment très joli. Donc, je pense que je vais le prendre. Je vais prendre aussi celui-ci. Ouais, parfait, il s'associe bien, nickel chrome. Et pour finir, qu'est-ce que je pourrais prendre comme papier? Celui-ci? Non, je crois que je vais prendre celui-ci. Alors attendez, j'ai une chute là. Ouais, je vais prendre celui-là. Ouais, voilà. Ouais, l'étoile de belle-maman est plus petite. D'ailleurs, je l'ai mis quelque part, belle-maman. Je l'avais mis de côté pour la montrer. Ma belle-maman m'a fait une superbe étoile en frivolité. Et comme il y avait certaines d'entre vous qui avaient posé la question ce que c'était, elle m'en a fait une. Oh, j'en ai fait quoi? Mince. Oh, crotte de bique. Je l'ai mis à un endroit pour pas l'abîmer. Et qu'est-ce que j'en ai fait? Oh là là. C'est dans mon bazar, je crois. Je suis désolée, belle-maman. Bah, qu'est-ce que j'en ai fait? Bah, je sais pas. Je ne sais pas. Vais la retrouver. Je vous mettrai une photo. Obligé. Alors, on est parti. Donc, on va commencer. Donc, on a besoin de nos trois papiers. On est bien d'accord. Et on va à chaque fois avoir besoin de six bandes. Vous avez vu? Six à chaque fois. Ça, c'est toujours pareil. D'accord? Et donc on va commencer. Allez, je vais commencer par celui-ci. Alors, j'ai une petite astuce à vous donner. D'ailleurs, je vais vous faire calculer ce matin. D'après vous, 6 fois 2,5, ça fait combien? Allez, dites-moi. En attendant, je réfléchis où j'ai mis le flocon de belle-maman. Alors, 6 fois 2,5. Aidez-moi avant que je fasse des boulettes. Je trouve pas. 6 fois 2,5. Alors je sais qu'il y a un petit décalage avec entre ce que je dis et le live. Ouais, merci Lisa. Mélanie, t'as perdu. Mélanie, tu as perdu. C'est pas 15,5, c'est 15. Et donc pour gagner du temps, on va couper 15 sur 29 centimes, 29,7. Comme ça, on va marquer les plis tous en même temps et on va gagner du temps. Alors attendez, je vous mets un peu de lumière parce que
Aussi bien l'été, on est embêté par le soleil, et l'hiver, ben, j'ai pas assez d'éclairage. Donc, on est parti. Donc, je vais faire 15 cm. Alors, j'ai combien là? Attention au sens, Fanny. Donc, là, il me faudra 29,7 sur 15. Donc, 15 cm. Merci à toutes. Ouais, j'ai pas retrouvé le flocon, belle maman. Parce que il doit pas être loin. Hein. Il est pas loin, ça c'est sûr. Mais où? Dans le trou noir de ma maison, des fois. Donc, on est bien à 15 cm sur 29,7. D'accord? Et en fait, normalement, il faut des bandes de 2,5. Mais si on fait les bandes tout de suite, il faudra qu'on plie à chaque fois et on va perdre du temps. Donc, ce qu'on va faire dans la longueur des 29,7, on va marquer les plis. 7, 14, 21 et 28. Allez, on fait 7, on plie. 14, on plie. 21 et le dernier 28. Oui, bonjour Christine, j'espère que tu vas bien aussi. On commence tout juste. Donc j'ai fait un rectangle de 15 cm sur 29,7. Et après, j'ai marqué les plis à 7, 14, 21 et 28. Et maintenant, je vais couper mes bandes de 2,5. Du coup, je gagne du temps, en fait. C'est aussi des petites astuces pour vous apprendre à scraper un peu plus vite. Parce que je sais que votre temps est compté, comme le mien. Et qu'on n'a pas toujours le temps de faire des choses. Et là, c'est des petites habitudes de travail qui vous permettent de gagner du temps. Soit, du coup, vous pourrez en faire plus, ou vous aurez tout simplement le temps de le faire. Et pour finir, 2,5. Voilà. Donc, on a bien le résultat est le même. On a bien 1, 2, 3, 4. 5 et 6, ok? On va. Donc, on prend nos petites bandes. Alors, moi, je vais faire le choix de plier dans ce sens-là, puisque je veux que le papier là, là, on fait ce que j'avais fait en blanc, d'accord? Sauf que là, mon papier design, je veux que celui-ci, on le voie plus, donc on va le mettre sur l'extérieur. Donc, je plie comme ceci. Et tout simplement, je vais venir coller mon petit bout là sur ce bout là. Je prends ma colle. Hop là. Coucou Catherine. Merci pour ta commande, la Miss. Merci à toutes hein, pour vos commandes de ce matin là, mais vous étiez au taquet. Hein. Même cette nuit. Hein. Il y en a qui ont réussi avant moi hein, via ma boutique en ligne. Hop. Et la petite épingle. Et on va faire la même chose. Sur les 6. C'est pour ça que je vous dis en fait, le principe, il est hyper facile. Vous pouvez le faire avec vos enfants, vos petits-enfants, avec vos amis qui n'ont pas encore bricolé, mais ça va peut-être leur donner envie de bricoler. Donc n'hésitez pas. Voilà, une petite épingle. Voilà, et on continue. Vous avez bien fait de commander de bonne heure parce que c'était premier arrivé, premier servi. Hein. Je l'avais dit. Hein. Pour celles qui n'ont pas encore vu les produits en fin de série, je vous ai fait une petite vidéo et je l'ai même mise sur YouTube. Comme ça, vous pouvez la retrouver beaucoup plus facilement. Hop là. Je continue. Encore. Encore. Et encore. Je continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, là-bas. Bon, qu'est-ce que vous avez fait en ce moment? Alors, j'ai vu aussi que beaucoup d'entre vous avaient reproduit mon projet calendrier de l'Avent que j'ai mis sur YouTube, une boîte chaque soir, là. C'est trop beau. Vous avez été débordante d'idées. Et il y en a où. Wow, ça fait trop plaisir de voir les projets que j'ai concoctés dans mon petit coin
et qui soient interprétés, vous les ayez appropriés, embellis. Oh, c'est trop, ça fait trop plaisir. Allez, on continue. Alors, en fait, comme je vous le disais, hein, c'est pas un projet compliqué, mais répétitif. Donc, il faut être organisé. Donc, on a bien nos six. Ouais, c'est ça, Mélanie. C'est cette chanson-là que j'avais dans la tête. Quelque chose vient de tomber sur les lames de mon plancher. C'est sûrement des strass ou des perles ou bien un ciseau. Bon, allez, arrête. J'arrête. Je chante faux. Faut que j'arrête mes grains de folie. Hein. Mais bon, je pourrais pas trop arrêter. Hein. Vous savez que mon nom de jeune fille, c'est Le Grain, donc forcément. D'où mes grains de folie. Hop là. Donc, on a bien nos six grands triangles. D'accord? Vous inquiétez pas de la forme qu'ils prennent. Parce que c'est quand on va coller que ça va prendre une jolie forme. Nicole, tu as été une mauvaise élève? Ah, c'est pas grave. L'important, c'est que tu aies pris du plaisir à le faire. Et j'espère que la personne à qui tu as offert les petites boîtes a été aussi contente. C'est vraiment le principal. Dans le scrap, c'est ça, hein, c'est le partage, c'est primordial. Dans notre feuille, celle-ci, donc on va faire la partie B. Et donc on va faire comme tout à l'heure, on va faire 15 cm, donc 6 fois 2,5, donc 15 cm sur 21. Donc 15 sur 21. Est-ce qu'il y en a qui le font en même temps que moi ou pas? J'ai commencé aussi à vous confectionner les kits numéro 10. Vous allez l'adorer. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire, ce projet. Oh, j'ai trépigne et je résiste de ne pas vous le montrer. Et après, donc, je vais faire dans la longueur des 21, je vais faire des plis tous les 5 cm. Donc à 5. 10, 15 et 20. Et pour finir, on va faire une petite marque à 2,5. Oh, Martine est à l'hôpital! Hop, donc, et il nous en faudra 6. 2, 3. N'oubliez pas quand vous reproduisez les projets que vous avez vus en live ou pendant les vidéos sur YouTube à mettre le hashtag Osefany Scrap Stampin afin que je puisse les voir. Sinon, dans le nombre de personnes sur Facebook, je ne vois pas vos projets et je suis déçue et je pleure. Oh, je suis triste de ne pas voir. J'adore voir vos projets. Bon, bah écoute, prends soin de toi, Martine. Hein. Et donc, comme tout à l'heure, on va marquer les plis. Et j'ai fait pareil que tout à l'heure, j'ai fait le choix d'utiliser le papier, on va dire, brillant sur l'extérieur. Ah, Marie-Claude, tu me le montreras, hein. Marie-Claude, il faut que tu m'envoies ton adresse si tu veux que je t'envoie le catalogue hein, mi-décembre. Que sans ton adresse, je ne peux rien faire. Ah, j'ai dû louper un commentaire parce que quand je vois vos commentaires, je comprends pas. Alors, Sudre Nicolas, tu sais, ici, tu es là pour faire du fait main. Si ça ne te plaît pas, eh ben, je t'ai pas obligé à regarder ma vidéo. Et donc, tu peux aller voir ailleurs s'il y a mieux. Voilà, supprimé. Je vais pas me casser la tête. Et je vais pas mettre 3 heures à faire mon étoile. Oh là là, il y en a vraiment, mais plutôt de ne rien dire.
C'est une page pro, hein, donc après, si t'as pas envie, bah tu traces ta route, hein, puis c'est tout. Hein. Vous ne perdez pas votre énergie, les filles. Restons concentrés, comme on dit. Du coup, je vois plus vos commentaires. Voilà, il me fait faire des bêtises. Ouais, vous tracassez pas les filles. Allez. Franchement, en plus, par contre, tu vois, au lieu de critiquer, là, tu perds du temps. Là, tu devrais aller chez Ikea acheter une étoile si tu veux. Allez, ça, c'est bim, c'est dit. Non, mais n'importe quoi. Ça, c'est de la méchanceté gratuite. Mais bon, c'est ça. Hein. Là, Mais oui, Nicole, t'inquiète. Oh, je m'offusque pas de ces commentaires. Ça sert à rien, c'est puéril. Oui, il faut toujours continuer à mettre des likes. Je tiens le cap. Oui, t'as entièrement raison, Christelle. Mais bon, vous savez, il y a toujours des gens. Après, on va pas lui donner plus d'importance parce que lui donner de l'importance, c'est lui donner raison, comme je dis à mes enfants. Et puis, moi, je suis partisane de on répond au con par le silence parce que la merde, c'est avec la bousse. Donc, on va continuer notre petite étoile avec plaisir de faire fait main. Et que ça va pas me prendre 3 heures. Mais le plaisir de faire moi-même. Voilà. Et de partager avec vous ce que j'aime faire. Et allez, on continue. Heureusement que je fais dans l'étoile. Hop là. Moi, je m'en fiche, j'ai des étoiles plein les yeux et plein mon bureau. Tan, 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 tan. Hein, Rosemary? Alors, pour celles qui le font après, vous me montrez. Hein. Ouais, ma maman, elle m'a toujours dit ça. Alors, je sais pas si vous aussi vous utilisez certains proverbes, mais celui-ci, moi, il m'a beaucoup servi dans toute ma vie et il me servira encore. Je vous le répète. Et méditez-le bien. Je réponds au con par le silence, car la merde, c'est éclabousse. Voilà. C'est trop fort. Donc ça, on a fait nos 6 triangles qui sont là, 2, 4 et 6, dans le papier B. D'accord? Maintenant, on va faire les. Donc, on a fait les grands blancs, les moyens rouges. Et là, on va faire les plus petits. Pour faire les plus petits, je vais prendre donc mon dernier papier que j'avais choisi. Alors, je crois que j'ai pas 15. Non, mais c'est pas grave. Il nous faut 15 15 sur 14. Sauf que moi, j'ai pas 15. Donc, je vais faire 15. 15 divisé par 2, ça fait 7,5. Donc, on va le faire en deux fois. 7,5 sur 14. Et 14. Et dans la longueur des 14. Oh, c'est joli aussi celui-ci, Nicole. La bave de crapaud n'atteint pas les blanches colombes. Oh, j'adore! Oui, en effet, merci. Ce n'est pas des triangles, mais des losanges. Ah, Sylvie, super, tu as reçu le catalogue. Donc maintenant, on va faire nos plis à 3, 6, 9 et 12. Alors, on est parti. Donc, 3, 6, 9 et 12. Voilà. Et on fait la même chose sur l'autre parrain. Vous êtes adorables, les filles. 3, 6, 9 et 12. Voilà. Et maintenant, on coupe à 2,5 cm
dans la longueur. Une pour avoir au total nos 6 bandes pour faire nos 6 losanges. Martine, alors attendez, ne vous mélangez pas. Les catalogues que j'ai envoyés la semaine dernière, c'est des catalogues annuels et les catalogues de Noël. Les nouveaux catalogues, je ne les ai pas encore envoyés. Je les enverrai que mi-décembre. Déjà, d'une part, parce que moi-même, je les ai commandés que ce matin, parce que je ne pouvais pas avant. Et donc, il me faut le temps de les réceptionner et de vous les réexpédier. D'accord? Donc, vous ne tracassez pas. Maintenant, on va faire la même chose que tout à l'heure, sauf que j'ai plus assez d'épingles. Alors, je vais enlever sur les losanges que j'avais fait en premier. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on y va. Alors, évidemment, là, ils sont plus petits. C'est logique, hein, ça sera le petit losange à l'intérieur. Je fais toujours ma petite bande pour coller. J'assemble. Voilà, ma petite épingle. Et on fait ça, du coup, 6 fois de suite. Restez avec moi parce qu'il faut que je vous montre l'assemblage. Alors, n'hésitez pas à utiliser du joli papier pour faire ce genre de projet parce que plus votre papier va être joli, plus votre étoile va être jolie, hein. Hop là. Et une fois que vous allez avoir compris le principe, vous pouvez aussi le reproduire dans différentes dimensions, avec des bandes de papier plus fines ou plus épaisses aussi, hein. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Hop là, on y va. On est bon, on continue. Ah, ça me colle au doigt. Hop là. Ah oui, c'est une bonne idée ça, Joël. Bien, oui, c'est vrai. Vous pouvez faire un test avec du papier, on va dire, tout simple, et puis après, du beau papier. Quoique, franchement, pour ce genre de projet, vous n'avez pas beaucoup de risques, hein. Si vous respectez bien les dimensions, il n'y a pas de raison pour que vous gâchiez du papier sur votre prototype, on va dire. Vous allez voir que même l'assemblage, c'est hyper facile, hein. Hop là, on continue. Là encore. Et pour finir, la dernière. Alors vous voyez, c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est un peu long et répétitif en fait. Hop là, et ma dernière qui est là. Donc on a bien nos 6 grands losanges, d'accord? Les moyens et les petits. Maintenant, on va coller tout simplement. Alors, moi j'ai fait attention pour que la bande de collage, là, elle soit toujours vers le milieu. Pareil, pour pas que ça se voit trop. Et on va tout simplement, en fait, mettre de la colle ici. Et on va venir coller sur les deux côtés du grand losange. Et là, pareil, je reprends mes épingles à linge comme ceci et je vais faire la même chose. Bonjour Stella, rebonjour, avec mon dernier losange, mon plus petit, où je fais attention, oui, ma patte de collage, elle est où? Hop, hop, hop. Là, et donc je colle ici et ici et je vais coller au bout comme ça. D'accord? Et après, vous allez voir qu'en assemblant le tout, ça va former un plus joli losange. Et on fait la même chose 6 fois de suite. Donc, je reprends mon grand. Hop là, que je colle ici. Le plus petit. Ah! Il est vivant. Il est vivant. Hop là, et on va jusqu'au bout, et là je mets mes épingles, une, et de deux, et on continue, et on loot, en route mauvaise troupe.
Alors, si je faisais des vidéos montées, et ben là, je pourrais accélérer. Mais comme c'est du live, et ben on peut pas accélérer. Hop là. Mon mari qui vient voir ce que je fais. Tu peux venir hein, si tu veux. Hein. Tu pourrais... T'aurais pu faire ce projet, mon chéri. Niveau débutante. Il est timide. Voulez voir mon mari? Il vient de rentrer. Allez, nono. Il vient me surveiller. En plus, il me déconcentre. J'aime pas quand on regarde déjà que j'ai du mal à regarder mes vidéos. Alors, quand il me regarde, ça me perturbe. Hein? En plus, c'est pas moi qui viens voir, c'est des chats. Ça va, ça suit les filles. Bon, désolé, hein, c'est un peu, voilà, c'est un peu rengaine, hein, mais c'est tout. Hein. C'est comme ça. Allez, on continue. Hop là. Non, je vais pas mettre d'épingle puisque je vais mettre. Je vais leur coller là. Non, il faut utiliser de la bonne colle, hein, les filles, parce que sinon, c'est la catastrophe. Il hein. Y a ta maman qui dit bonjour, Ron. Bon. J'ai tu Arnaud, tiens, tu peux regarder au niveau de mon truc espace photo. Désolé, il n'y a pas le flocon que ta mère a m'a offert dimanche. Oui, là-bas. À côté de Scrappy. Ouais, tu sais qu'elle m'a fait en frivolité. Je le trouve pas, je l'ai trop bien rangé, du coup, je le trouve pas. Bon. T'as trouvé que Scrappy? Ah là 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 là. Bon. Hop, allez, pour la dernière. Je suis avec vous, on continue. Donc normalement, on a fait notre assemblage de nos silogenges. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? On est bon? Maintenant, tout simplement, on va assembler les uns aux autres. Et donc, on va mettre de la colle ici et on va venir coller les deux bandes comme ceci. N'hésitez pas à remettre une épingle, même deux, parce que j'en mets une là. Voilà. Et on fait la même chose sur tout avec tous les losanges. Là et là et on continue. Hop là, on y va. Là, quelle taille le projet fini, Mélanie? Je sais pas. Attends, je te dis ça. Hop, là, j'ai de pointe à pointe, j'ai 24 et demi. Donc 24 cm à peu près de diamètre pour l'étoile. Selon les mesures que j'ai faites, hein. Mais vous pouvez aussi adapter les mesures. Hein. Hop, on continue. Oh, bah ça pleut chez moi. On continue. En fait, vous avez vu, le fait d'en avoir 6, c'est ça qui va donner la forme à votre étoile. On pourrait s'arrêter à 5, mais je trouvais que esthétiquement, c'était plus joli d'en mettre une sixième. Et donc, par contre, pour la dernière, je vais bien mettre de la colle sur les deux côtés. Ou alors, vous mettez que sur un côté pour pouvoir la plier, mais moi, je voulais qu'elle reste vraiment bien en forme là. Donc, je fais attention. Hop là, une fois là. Hop là. Et... Ah bah oui, j'ai chanté, du coup il pleut. Ah bah oui. Ah bah oui, vous avez raison. Je chante faux et donc je chante tellement faux que je fais venir la pluie. Non, c'était pas la chanson de la pluie, là, que j'ai fait. Et voici notre étoile est finie. Voilà. Maintenant, vous pouvez très bien... Alors, on va attendre un petit peu, mais on pourrait mettre
un petit trou là pour la suspendre. Donc avec les épingles, ça fait trop lourd. Mais vous pouvez aussi rajouter, comme j'ai fait là, des petits embellissements, des petits strass, par exemple, aussi partout, hein. Donc laissez voilà, votre imagination travailler. Appropriez-vous de ce projet. Pensez à mettre de jolis papiers parce que plus votre papier il sera joli, plus forcément votre étoile sera jolie. Regardez comment c'est magnifique. C'est trop beau, hein? Bon, j'enlève les épingles, ça sera. Ça sera plus joli quand même. Donc là, j'ai choisi le papier design. Mais vous pouvez aussi choisir du papier uni. Après, c'est vous qui voyez. Mes embellissements, je les ai collés à la colle, tout simplement, Mélanie. Alors, comment je pourrais mettre? Parce que du coup. Allez, et si on imaginait, bon, pour celles qui ont fait avec moi le calendrier de l'Avent, vous savez que j'adore ces dies-là. C'est les poinçons déco de Noël que vous pouvez trouver dans votre catalogue annuel. Et on peut rajouter là. Alors, par exemple. Est-ce que j'ai sous la main? Non, évidemment, je n'ai pas du papier doré sous la main. Ah, mais j'ai du papier. Celui-ci, ça va aller parfaitement avec mon papier. Hop là, regardez comment ça va faire chouette. On pourrait aussi créer des suspensions. Par exemple. Pour faire un peu style attrape-rêve. Vous voyez, on a notre grande étoile, on pourrait suspendre d'autres petites étoiles aussi. Hop là, c'est des idées qui me viennent au moment où je vous parle. Hop là. Attention, et moi pour ce temps-là, tournez la manivelle. Et moi pour ce temps-là, je tourne la manivelle. Alors oui, il en faut pour tous les goûts, Viviane. Effectivement, t'as l'étoile, t'as plein. On peut faire tout style de décoration. C'était aussi pour vous rendre compte que les possibilités sont grandes. Et du coup, vous pouvez faire en fonction de vos envies, de ce que vous aimez, de votre déco aussi, de chez vous, hein, dans les couleurs que vous souhaitez. Moi, cette année, mon sapin, il sera blanc et argenté. D'habitude, c'est les enfants qui choisissent et cette année, c'est moi, Na. Hop, j'enlève tout ça. Tum, tum, tum. Je vais me faire disputer par mon loulou, j'ai oublié d'ouvrir. Ah bah, Marie-Claude, si tu n'as pas cette machine, elle est juste waouh. T'as vu comment ça peut faire des découpes hyper fines? C'est trop bien. J'adore. Bon, et vous continuez. Je vais pas passer le live à vous montrer. Et vous pouvez la coller ici. Vous pourriez imaginer aussi, tu vois Mélanie, si tu as un doute, laisser la partie du milieu. Comme ça, tu peux mettre ta mousse 3D derrière pour être sûr que ça tienne mieux aussi. Ça peut être une éventualité. On peut aussi imaginer en mettre, surtout, voilà, et aussi en mettre en suspension. Bon. Coucou Katia, ça me fait plaisir. J'espère que tu vas mieux, que tes microbes t'ont abandonné. Donc voilà. Donc voilà. On continue et on fait le reste. Voilà, voilà les filles. Alors, ça vous a plu ce petit live de ce mercredi? Alors, montrez-moi vos étoiles. Je veux voir plein, plein d'étoiles. Oh, ma pauvre Cathy.
Bah ouais, les antibiotiques, des fois, bah quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'ai vu qu'il y en a plein qui ont mis des petits pouces et qui ont partagé cette vidéo. Donc ça, c'est chouette. Ah, Joël, tu me montreras une fois que tu l'as suspendue dans ton salon. Ça me ferait plaisir de voir ta création. J'espère que vous avez passé donc un bon moment et que ça va vous a donné envie de refaire cette étoile. Et surtout, n'oubliez pas aussi de partager et de, pourquoi pas, faire découvrir ce monde du fait main à d'autres amis et pourquoi pas les inviter à rejoindre ma boutique en ligne. Et n'hésitez pas non plus que mon équipe peut encore s'agrandir, peut être encore extensible et donc il y a encore de la place. D'ailleurs, j'ai une de mes filleules, Viviane, qui a tout déchiré ce mois-ci. Elle était motivée à bloc, je leur avais lancé un petit challenge et du coup, ça l'a motivée, ça m'a fait super plaisir et à elle aussi. De rien, Paul, bah merci à vous d'avoir été présente ce matin. Je vous fais des gros gros bisous, je vous dis à très très bientôt. Et puis si vous avez des questions, si vous avez des envies, si vous avez besoin d'aide pour certains projets ou pour passer vos commandes, n'hésitez pas, je suis disponible pour vous. Allez, ciao bye, je vous fais des gros bisous et je vous dis à lundi pour notre live questions-réponses et mercredi pour notre prochaine bulle créative. D'ailleurs, avant que je parte, lundi, on a travaillé trois outils, le marqueur effet craie, les crayons estompes et le crystal effect étincelant. Donc si ces trois produits vous intéressent ou vous donnent, comment dire, posent des questions, et ben n'hésitez pas à aller regarder le live de lundi. D'accord? Allez, ciao bye, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao et je vous laisse en musique avec la musique de fin. Allez, ciao ciao! Come on, let's put on a show. There's always room for more. Come on, let's put on a show. Merci.